この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et non, vous ne profiterez pas de l'intro. Salut Guillaume, re-salut. Salut tout le monde, salut Kim. Et on se retrouve donc pour jouer en multijoueur à Tourist Trophy, le jeu de moto, façon polyphonie digitale. Quel bonheur, ce jeu. Quel bonheur, allez c'est parti, mode arcade. Donc on va directement lancer les hostilités. Bon, je précise, pour être honnête avec vous, il y a eu une petite course avant et Guillaume avait gagné, voilà. Donc on va choisir notre circuit. Tu veux refaire le même circuit directement ou on fait directement? Oui, on refait la même, allez, on refait la même avec les mêmes trucs et tout. Et donc je vais prendre la moto, donc il n'y a pas toutes les motos du jeu. Ça on s'en est rendu compte au fur et à mesure. Non, donc on était parti sur un T-Max, c'est sûr qu'il n'y a pas un scooter au passage. Non, dans le multi il n'y a que celui-là. Ah merde, ok. Je sais pas, j'ai déjà joué avec mon petit frère à la maison d'ailleurs. Bisous si tu te reconnais, petit frère. Si tu te reconnais, petit frère. Genre non, t'as été adopté. Quand Kim aura 5 millions d'abonnés. Moi j'ai changé. J'ai vraiment des pneus courts sans tendre, comme ça je vais mieux tourner, lol. Et je vais garder en incliné. Hein. Je sais pas à quoi ça sert. Allez. Mais c'est juste le style. Je crois pas que ça change grand chose. Allez, je me mets en orange pour le fun. Supporter des Pays-Bas évidemment. Lol. Moi je vais me mettre en droit, allez hop. Ah. Droit incliné, bon, vous serez juge de la vanne. Oh, t'abuses, tout à l'heure t'as dit... ouais, c'est encore pire. Ce contexte, et là tu dis ça. Je crois que j'éprouve la blague, quoi. Allez, concentration. Donc on a plusieurs vues, vous allez les voir rapidement, mais pour le début, je vais rester ainsi. Là, je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière, voilà. On joue des coudes. Sauf que, bon... Cette fois-ci, hein, je connais le deal, donc je ne t'attendrai pas. Ouais, c'est ça, on va voir. Moi, je vais tout jouer à l'anticipation, vu que j'ai 50 millisecondes de plus. Allez, j'ai quand même changé de vue, parce que c'est vraiment super immersif, franchement, de bien embarquer comme ça. Alors, je sais pas s'il peut tomber juste parce qu'on prend un angle trop élevé, ou si ouais, c'est vraiment... Ouais, si t'as pas assez de vitesse et que tu tournes trop, tu peux tomber. D'accord. Ouh, c'était chaud. J'ai bien pris l'extérieur, en tout cas t'es pas loin. Je donne tout. Ouais, je me baisse, on sait jamais, pour... En aspiration, pas pour un saut. C'est ça, c'est ça, ouais, incline-toi. J'arrive. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour l'humour ce soir. Eh, tu remontes bien, hein. Bon, je vais essayer d'être fair, de pas me couper forcément la route. Merci. Allez. Ça m'a allé. Je t'ai pas coupé la route. Ouais, je pense que je me suis pris légèrement le mur, quoi. Ah, c'est nul. Non. Ouais, donc Tourist Trophy, basé sur le moteur de jeu de Grand Prix 4. De Gran Turismo 4. De Grand Prix 4. Ouais. Ça, j'aurais bien voulu rejouer Grand Prix 4, du coup, dans ces conditions, mais... tu vas couper. Allez, tu peux jumper. Ouais, oui, c'est passé. Non, c'est bon. Bon, je toi t'aimes bien. Ah, moi, oui, j'aime bien aussi, mais je regrette le mode Gran Turismo absent. Quoi. C'est un peu comme un jeu PSP. Quoi. Mais t'es sûr, y a pas de mode carrière? Non, pas le vrai mode carrière. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais des courses. Et puis en plus, on est que 4, je crois, en course. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment relou quoi. Enfin, j'aurais trop voulu que c'est au moins. Oh là là, je me suis boité. J'aurais bien aimé qu'il soit au moins 6, quoi. Parce que déjà que 6 c'est pas beaucoup, mais en 4, c'est l'austérité quoi. Après 2, moi je trouve que c'est largement suffisant. Dans ce qu'il élabore avec un pote, c'est quand même super. Non, mais pour un pote ça va, mais quand t'es tout seul, 4 ouais. C'est vraiment. Enfin... Je crois qu'on sera sur PSP aussi avec 4 voitures d'ailleurs. Ouais, effectivement. Par contre, ils avaient rajouté la 6000 vues embarquée là, à ce moment-là. Oui.
C'était pas mal, hein, Grand Turismo PSP. Moi j'avais beaucoup aimé, je l'ai découvert un peu sur le tard sur la PS Vita. Ils avaient refait une remake pour la PS Vita ? Non, mais c'était la version PSP en fait, on pouvait acheter les jeux PSP sur le store de la Vita et j'avais pris parce que il n'y avait pas de Grand Turismo dédié à la Vita malheureusement, ni de GTA. Oui. Plus dur pour la Vita quand même. Mais enfin bref, ouais, Tourist Trophy, le jeu que beaucoup de gens attendaient, je pense, parce que un gamer à l'époque qui aime la bagnole, qui aime la moto, qui joue à Gran Turismo, mais qui aime vraiment la moto, il devait quand même se dire, ah, c'est dommage l'absence de moto, et au final, on lui offre un jeu, on lui vend un jeu entièrement basé sur ça, quasiment aussi développé que Gran Turismo au niveau de sa physique, je veux dire, c'est quand même pas dégueu, quoi. Et le jeu me laissera même pas finir, quoi. Vous allez voir. Bon bah du coup il a gagné quand même, bravo. Ah bah ça fait plaisir parce que dans la vidéo Gran Turismo je me prends des raclées et bah là... Ah bah après ouais. Ah au moins chacun son style on va dire. On peut toujours pas mettre le en cumulé hein, j'ai l'impression. X avec carré ça m'est redit synchronisé moi. En fait ça change juste les caméras en même temps. Ouais mais toujours pas la caméra en même temps, c'est un petit peu dommage. Bon, en tout cas, bravo, belle victoire, on va passer directement à la suite. Merci, merci, c'est grâce à tous mes fans. N'hésitez pas à ne pas vous abonner à sa chaîne d'ailleurs. Alors. Quelle chaîne? Ah, il y avait le capitaine aussi, j'avais pas fait gaffe. Attends, il y a des queues de circuit. Je vais quand même voir si tu choisis un peu du lot. Ouais, je vais voir s'il y a des circuits un petit peu spécifiques à cette version. Hong Kong, c'est pas un circuit que. Non, il était dans. Devait être dans Gran Turismo qui a pas été si, au final. Il y a été, il y a été. City di Aria, Amalfi. Non, il y a vraiment tout. Par contre, je t'avoue qu'un Côte d'Azur en moto, ça. Non, El Capitaine, c'est pas sympa. Allez, moi je connais pas du tout celui-là. Bah écoute, je l'ai connu dans le 4, mais je m'en souviens plus du tout, donc on va être au même niveau. On va prendre notre modèle du coup. Par contre, j'ai bien envie de prendre une. Pas forcément une moto ultra GT, mais un modèle un peu voilà, un peu ancien. Vas-y, je te laisse choisir. On dit que chacun choisit un coup sur deux et puis on prend la même chose, comme ça, moi c'est équitable. Triomphe. De toute façon, on va essayer de faire un peu varier tous les modèles. Non, j'ai vu une moto sympa, c'est peut-être la CBS. Ouais, c'est un là, ouais. Allez, moi je suis chaud. Le problème, c'est qu'on pourra pas choisir la couleur. On va prendre Dommage qu'il n'y en ait pas un avec un truc à l'ancienne, genre tu sais les casques des années 30 là en cuir. Bah ouais potentiellement. Mais bon ils en ont pas fait d'autres. Après en jeu de moto pour l'époque, c'est loin d'être le meilleur. Ah non mais. C'est loin de ah ouais oui oui en tant que jeu, t'as les motos GP qui étaient quand même bien meilleures. Je parle des motos GP, pas les motos GP non, de Namco. Hein, c'est si chiant en moto GP. Moi j'ai toujours trouvé ça très chiant en moto GP. Je vois pas des motos GP de Namco, hein, je précise. Par contre, c'est marrant, tu remarqueras peut-être un détail. La mienne est plus floue que la tienne. Oui. J'ai pas trop compris. Ouais, à mon avis, c'est un bug de la non-machine. Voilà, de la non-machine. De monsieur SX2. Ah, le bruit a changé, ça fait plaisir déjà. Bruit, le PP, papy, PP. Elle est bien modélisée, même en deux joueurs, franchement. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. J'ai bien mis en départ, non. Ouais. Alors, se tire la bourre en motocyclette. Motocyclette, alors ce circuit, bah bon, je vois que le circuit se marque en haut donc ça va, enfin sur la gauche, pardon. Du coup, je vois qu'il y a des virages, je vois, ça va. Non, mais j'ai aimé ce circuit parce qu'il était un petit peu. C'est à la fois circuit classique et circuit un petit peu. Comment dire, pas en campagne, mais presque. J'avoue. Ah là là, vivement le jour, on fera des vidéos multi sur les Gran Turismo PS3, PS4. Bah, ça devrait pas tarder. C'est pas possible pour l'instant, mais. J'ai réussi à bien améliorer quand même hein, sur la version Play 3. J'ai tout remis à zéro, j'ai compris quelques trucs, et du coup, c'est redevenu assez fluide. Donc, ça sera peut-être possible, mais bon, au pire. Puis ce sera un des points prévus en tous les cas. Bien entendu. Bah, j'ai bien. Ah, je me souviens, cette partie était sympa. Ça, il est pas mal, hein, j'avoue, ce circuit est vraiment sympa. Hein. Ouais, j'ai même envie de changer la vue pour l'occasion. Ouais, ça fait une sorte de Nürburgring en plus simple. Ouais, c'est un mini Nürburgring. Voilà.
faire un peu profiter. Par contre, ça tourne où là? Ça tourne à gauche. ouais, mais genre, moi je regarde en fait la carte hein, parce que sinon. Ah oui. Oula, oua. Aïe oh. Aïe, c'est la dégringolade. Je ne pense pas que je gagnerai cette course. Oh, ça va revenir, hein. Je peux encore planter largement. Et puis il y a deux tours à faire donc. Oh là là, je fais n'importe quoi. Alors je me souviens, les seuls souvenirs que j'ai de ce jeu, c'est avec la Konica Minolta, c'est une voiture du Mans groupe C, je crois. Et oh bah voilà. et du coup, ça allait super vite en fait, la voiture elle faisait 1200 chevaux, quelque chose comme ça. Et ce circuit il est vraiment trop génial avec ce genre de voiture. Oh bah voilà, t'es repassé. Vous ne passerez pas. Oh. Tiens, j'ai oublié ce délire. Oh là là. J'ai réussi à pas tomber là, c'est un miracle quand même. Ouais, c'est tombé là. Alors accélération là, ouf. Oh, j'ai essayé de prendre depuis l'extérieur. Ah, il y a de bonnes sensations mine de rien quand même. Oh regarde, je suis passé sur le côté. Oh, 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 je t'ai vu tomber. Ah mais franchement, on vu embarquer, il y a de bonnes sensations, hein, vraiment. C'est là où je suis. On parlait en off dans une autre occasion, mais on parlait de la VR sur PS2. Mais c'est typiquement le jeu là en VR sur PS2, ça peut être pas mal. J'avoue. Et d'ailleurs, faudrait regarder toi qui as le casque, s'il y a pas un jeu de même, tant pis si c'est un jeu de moto pas actuel, mais avec un mode VR. Hein. Si, y en a. Mais déjà, rien que GTA 5, prendre la moto en GTA 5 VR, c'est excellent quoi. Ouais, c'est vrai. Quand tu te retrouves devant une moto dans GTA 5 VR et tu la regardes, tu tournes autour et tout, mais c'est incroyable. T'as vu d'avoir pas mal d'effets, ouais. Avec la PGR 600, c'est ça? Oui, il y a la PCJ 600, il y a la Bati 800. Oh là là, j'ai fait une blondée. Il y en a plein des motos. Ouais, mais là, franchement, qui va gagner? Qui sait qui va gagner? Qui sait qui va gagner? C'est DGNS Waludo. Ah, mais c'est pas joué, hein, c'est pas joué. Quelle enflure! Non! Quelle salope! Ah bah voilà, double. Et en plus il passe devant. John Cena. Oh franchement, insérer un morceau de John Cena quoi. De quoi? Insérer le clip audio John Cena là-dessus quoi. Allez. Quelle grosse merde. Oh, je te déteste. Deux victoires. Ouais! Bon, parce qu'en tout cas, c'est une belle course, pas mal. Ah, c'est sympa comme circuit, hein. J'ai bien aimé. Et même le jeu est sympa parce que le côté de se viander la gueule, ça y est pas dans Gran Turismo. Ah, ça bah rajoute non, du fun. Non, non, c'est clair que dans Gran Turismo, tu l'auras pas. Bon, c'est à toi de choisir. Je sais pas si tu peux. Ouais, bah vas-y. Ouais. Alors, moi je propose le petit Citadiaria. Ouais, je m'y attendais un peu, mais. Vas-y, prends ce que tu veux. Et on va se faire ça. Mais du coup, je propose ça avec un truc pas trop puissant parce que. Ouais, 125. Ça, c'est une 125. Moi, je suis chaud en prendre. Ouais, 125. Puis en plus, c'est un circuit très, très serré. Ouais, mais au moins les gommes tendent que tu puisses quand même rouler un peu. J'essaye enduro pour voir. Comme ça, les gens, ils voient au moins. Du verbe voyer. J'ai oh, quel enfoiré. Ouais, quel enfoiré. Alors, on va prendre la même. T'as pris en quelle couleur, toi, déjà? Bleu, je crois. Bon, bah, et rouge, hein. Je vais prendre... De toute façon, on verra pas mon casque, vraiment, parce que j'ai tendance à prendre la vue intérieure. Ouais, je l'en prends, toi. Parce que pour peu qu'il y ait peut-être une différence dans le gameplay ou quelque chose, on sera pas équitable si on fait pas la même chose. Même si j'en doute, hein, qu'il y ait... De toute façon, je pense que les gens ont largement compris que je suis meilleur. Ah, mais si enduro, c'est juste qu'on peut-être porte un jean en fait, c'est tout. Ah, non. Ah, non, je me lève.
Oh, joli, joli. Ah, oh, c'était magnifique. C'est une Aprilia SR 125 ou quoi? Je sais pas. Je ne reconnais pas les rues des motos. Là, par contre, sur cette vidéo. C'est une deux... Ça fait un bruit de deux temps. Oh la vache. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est passé. Oh putain, par contre, ça passera pas. Ouais, c'est tendu, là. Faut y aller mollo. Donc, une petite virée en Sicile, hein, si j'ai bien compris. Sicile, la famille. Sicile, la famille, ouais. Oh bah voilà, tiens. Ça, c'est pour la blague pourrie. Elle était pas pourrie, elle est totalement acceptable. Ouais, c'était très bien. Je dis pas ça parce que tu m'auras de l'argent à la fin, mais c'est très bien. Ah, par contre, c'est... Non, par contre, je remarque que c'est ultra sensible hein, sur les murs. Hein. Tu te les prends à peine en effleurant. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Limite, tu peux toucher le mur de face, ça fait pas grand chose. Mais alors, en effleurant, là, il en rote pas. Oh là là, mais quel fou! Oh, il va rebondir. Bah, regarde, t'as vu, c'est rien passé. Oh non, mais là c'est pas bon pour moi là. Non, t'inquiète, je me suis regardé. Oh, mais moi je suis en mode. Regarde, je suis qu'à vous. Ah, bah, de toute façon, je suis planté deux fois. Ah, bah là, j'ai pas le droit à l'air. Hein. Ouais, je vais te faire parce que sinon. Non, joue. Non, je m'en fous. Soit pas faire. Je m'en fous, je veux que ce soit c'est du beau jeu. Compétition. Non. Non, je vais faire un wheeling. Ah, je fais un wheeling vers l'avant et vers l'arrière. Y'a pas de je t'attends. Regarde, là, je freine. Vas-y, freine, mon cœur, je freine dedans. Allez, crache là aussi. En fait, tu peux freiner, ça se fait rien en fait. Ah, par contre, t'as vu, il bouge un petit peu son bouti. Oui, mais sa jambe, t'as vu, on a ouais, il met sa jambe, c'est ça. Ah, c'est pas mal, hein, de faire mais toi aussi, il le fait. Ah, c'est trop bien. Qui c'est alors, qui va se prendre des murs? Je vais la bourre avec mes potes. Oh, en ville. Wouah! Oh non, c'est tous les deux pris le mur. Ah, et là, cinématique, il s'est mis 3 heures après. Quelques bugs de collision, quand même, hein, on s'en rend compte. Même et voilà, là, pareil, typiquement, je suis mort. J'ai pas défluré. Il a considéré que j'étais mort. Ah, toi aussi, non? Quand tu vois la cinématique, tu te dis bon. Pas mal la vue arrière. Ah, je regarde pas où je vais, je me prends les murs. Oh, oula! Ouah! Ah, je suis mordu. Oula, 130 comme des fous là. Après, vu que c'est le moteur de Gran Turismo, t'es à 80 km/h, mais t'as l'impression que t'es à 30 en fait, c'est ça le problème. Bah, ouais, y'a un peu de ça, effectivement. Après, quand t'es revient embarqué, ça va, hein, t'as bon, 100 km/h. Ouais, revient embarqué par contre, ouais. Wouah! C'est des catombes, hein. Écoute, pour le moment, ça va. On s'est juste vu en déjà un fois. Ouais, c'est ça. Bon, là, on va arriver dans la zone, on va tous se viander 10 fois. Dans la zone. Ensemble. Oh là là! Oh! Ah bah non, je suis parti en. Je visualise ma victoire. Oh là là, je me suis planté à combien? À 5 km/h? En tout cas, on espère que vous avez apprécié la vidéo et puis un gros bisou à tous les gens du Discord. Hein. Moi j'en profite, je passe le bisou. Hein. Vous reconnaîtrez. Hein. Je vais pas faire de pseudo comme ça n'est pas jaloux, mais. Cœur sur vous, les gars. Paix sur ta couche. Oh là 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 là! Bon, après le jeu est sympa parce qu'il te remet quand même ultra vite dans le jeu. Enfin, dans le. Ouais. Ah bah là, par contre. C'était fast pay, mais sur 20. Moi, ouais, ce que je trouve vraiment très impressionnant dans Gran Turismo 4 et Tourist Trophy, du coup, parce que c'est le même moteur finalement. Putain, mais. Au secours. Tu vois rien, fais rond, hein. C'est les arrière-plans de paysage en fait. Ah. Je trouve vraiment incroyable. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plutôt détaillés. Bon, bah au moins déjà j'aurais sauvé l'honneur avec une petite victoire. J'ai juste hâte de voir le replay quand même. Je fais de mon mieux. Je veux juste voir le replay. Oh mon Dieu. Juste le début. Le tout oui, début. Mais... T'inquiète. Ne faites pas comme la personne à gauche.
Attends, juste au début quand même, quand on s'est bien viandé, c'était quand même sympa. D'ailleurs, toutes les musiques aussi sont des musiques exclusives, hein. Y a pas les mêmes musiques que dans le. Dans la version voiture. Oh là là là, c'est un scandale, y a le mur! Tout va bien. Allez, du coup, on passe à la suite. Ça te stop net et après tu tombes comme si, genre, en fait. En fait, t'es sonné. T'es juste sonné en fait et tu fais oh mince, je me suis planté. Donc c'est à moi de choisir du coup. Alors à ma fille, j'ai pas fort. Non, Côte d'Azur. Allez, moi je suis chaud. Non, je pense qu'il va être trop chiant. On va prendre à ma fille. Ma fille Tano. Parce qu'ils comprendront la vision. Du coup, en niveau de la moto, bah en fait, même peu importe la moto, je pense que ça va être sympa en tous les cas. Donc. Ouais, peut-être une vieille. J'aime bien les vieilles. Enfin. Toujours dans le contexte des motos, évidemment. Décidément. Bien entendu. Racing Modifi, Super 4. Bon, allez, on va prendre XGR 1300 cm3. Regardez les gommes entendre. Les pneus mous, comme dirait un certain Villeneuve. XGR, alors. Ah, attends, vas-y, je vais jaune. Du coup. Attention, ah, t'as mis les courses moyennes, hein, je précise. Ah. On va reprendre là, du coup. Attention, voilà. Tendre. Ouais, tendre. Bon, après, style, j'ai essayé de mettre. Et c'est parti, donc c'est bien, on monte en gamme. Hein. C'est parti, mon kiki. Oh, le bruit que ça fait. Moi, je vais faire un run dès le début. Wow, attention, monsieur Kim. Mais je crois que tu peux pas tomber, en fait. C'est ça qui est génial. Lui, je pourrais tout faire en sur une roue, quoi. Alors, par contre, ça va très vite. Je me rappelle, sur une moto, pour freiner, c'est pas pareil. Et moi, il me semble que j'ai fait une vidéo sur ce jeu aussi. Il me semble aussi, oui. Non, t'avais fait un live sur ce jeu. Oui, mais une vidéo live, quoi. Alors, il y a une bosse, mais il y a un virage au fond. Ah, mais je m'en souviens, je l'avais fait celui-là en live et il est tricky un peu. Ah, il est pas mal, hein. Une bosse. Il est sympa aussi en mode voiture parce que ça te permet de faire des vidéos un peu à la ICLD. Mais ah, du ouais. Drift un petit peu. Ah, j'avoue. Oh, j'adore ces passages avec les montées descentes là. Oh là 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 là. Une bonne moto ça n'empêche. Ouais, on se vient. Je sais pas combien de motos il y a dans le jeu, il n'y en a pas 80 tout comme ça. Je sais pas du tout. Bon, évidemment avec des variantes hein, comme ils savent très bien le faire. Alors ici vous avez la Skyline A31, R32, V-Spec 1, V-Spec 2, LM, LM. 14 variantes c'est pour augmenter le chiffre. La pâté que je te mets, bah oui et non, enfin, après c'est le début, hein. Mais c'est vrai que elle répond bien, hein. Elle est beaucoup plus maniable. Si on compare à OTMAX, en tout cas, bon, c'est logique, quoi. Oh là là. Voilà. Comment on se viendait ridiculement à 20 km/h. Ah, il y avait top, t'avais la même. Comme vous pouvez le voir, on profite totalement du déconfinement et de l'arrêt du port du masque pour rester chez nous. Au moins, vous en souviendrez bah, quand la vidéo a été tournée. Hein. Moi, c'est gravé dans la roche, comme dirait Alain Souchon. Ah non, Alain Souchon. Par contre, ouais, une fois que t'es à 2 à l'heure, elle tourne plus. Hein. Ça, c'est typique. T'es même revenu, quoi. Mais comme on peut, hein. Ah non, mais t'es bien, t'as rattrapé. Oh, j'adore freiner sur une roue, franchement je crois que c'est trop mon kiff. Oh, en plus je me suis pas planté. Le jeu a été trop permissif pour moi. Ah, ce passage est magnifique. Ici, là, avec le saut. Oh là là, on retombe. Oh là là, c'est magnifique.
Bon après, pas grand chose à dire d'autre du jeu, hein. Écoute, moi je dis déception parce que c'est pas vraiment Gran Turismo. Mais après, techniquement, le jeu est sympa, hein. Y'a rien à dire. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu de moto, avec des sensations réalistes et surtout ça, quoi, les sensations réalistes en fait. J'ai pas senti ce genre de sensations dans d'autres jeux en fait. C'est pour ça que je trouve qu'il est très très bon. Hein. D'ailleurs, petite chose. En fait, dans la lourdeur, tu sens le poids du, oui, du pilote, la clignaison et tout ça, genre c'est important, tu vois. Petit aparté, mais en fait, si on me regarde bien, c'est le premier Gran Turismo avec une vue cockpit. Ouais, c'est vrai, techniquement, c'est vrai. Hein. Premier jeu de polyphonie avec une cockpit. En plus, on voit que les contours, c'est en temps réel avec les aiguilles, ça, c'est bon. Ça se faisait déjà à l'époque, évidemment, mais c'est quand même un petit détail toujours sympa. Par contre, je sais pas si au niveau du HUD on peut virer toutes les informations pour avoir un truc un peu plus immersif. Bon, je pense que ça va être possible. Alors, je regarde au cas où. Pardon, ouah, désolé, my bad. Non, c'est... Non, mais je fais de la merde. Ah voilà, ça au moins on est quitte. Non. Et hop, c'est parti. Allez, je vais encore me faire avoir au freinage. Oh là là. C'est vrai que ce qui est assez énorme, c'est que quand tu perds l'avant, tu perds aussi... Oh, c'était joli ça. Tu perds aussi l'arrière derrière. Et c'est assez, assez particulier à contrôler une fois que t'es un petit peu en difficulté. Ah bah t'as fait la même, tiens. Je t'ai poussé. Y'a moyen, ouais. Je t'ai poussé dans le mur. Après, je t'avoue que je ressens pas trop les vibrations. Y'a les hissons, hein, mais toi, tu les as désactivés, mais... Je ressens pas spécialement... Ouais, elles étaient faibles, hein, par contre. Oh là là. Oh là là, genre, je vais le battre sur la fin, comme ça, quoi. Oh non. Oh, dégoûté. Ah, je voulais faire un petit pilage à la fin, mais... Du coup, ça fait 2-2. Ouais, on est au draw. Bah écoute, je te propose de finir ça sur ce que tu sais. Bon, mais c'est bon, j'avais choisi. Exactement. Bien, vers le Nordschleife. Ah là là, mais non, je parlais de Tsukuba, moi. Ah là là. Tsukuba. Mais d'ailleurs, il y a le Nordschleife ou pas? Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Ah si. Ah, il y... Alors attends, montre-moi quand même s'il y a comme circuit, je vais voir quand même. Il y a Valence, Safety qui était pas, effectivement. Motegi, Tsukuba y était. Fisco, c'est Fuji, me semble, donc ouais. Non mais vas-y. C'est le circuit que je trouve chiant en fait. Ah ouais, non mais t'inquiète, vas-y, on va lancer le... C'est normal, docteur. Moi je voulais finir sur le circuit débutant, mais bon, après... Ah par contre, vas-y. C'est moi qui choisis. Ouais, pardon, vas-y. Pas de rien. Moi je propose qu'on prenne ce qui est le plus puissant du coup, mais on va faire que ce vôtre. Moi je propose qu'on fasse une pause pour aller manger parce que ça sent super bien, je sais pas ce qu'elle a acheté à manger à côté là, mais... Non. Ça sent trop bon. Tu vas devoir attendre. Attendre. Eh bien on se laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Non. Oh là, ça sent le poulet mariné ou je sais pas quoi. Oh là là, mon dieu. Donc t'as pris quoi, t'as pris quoi en voiture? Quoi, voiture, moto? Bah vas-y, hein, ouais, tu... Limite, rejoue pour moi. En fait, on vous a pas dit depuis le début, mais en fait, on commente un let's play. On n'a jamais joué, en fait. Oh là là, je me suis planté. Je l'ai pris en otage, là. J'ai même pas essayé de choisir, moi. Non, je t'ai feu et après, tu iras bouffer. Non, de toute façon, on avait prévu de fixer sur le Nordschleife, en tous les cas, mais ça change pas rien. Celle-là, c'est la belle, en plus. Celui qui gagne, il gagne l'honneur. Oh mon dieu. Attends, je vais le refaire. Ah non, mais c'est toi, en fait. Mais ouais. Ah, mais c'est trop bien. De toute façon, trop légère, elle a trop de puissance. On va se... Oui. Je me suis planté à 1 km, un truc comme ça. Hein. Bon, on va se marrer. Ça va être un bon circuit, vous le savez. Et il faut pas, wow, il faut pas trop se pencher, si j'ai bien compris. Hein. Je peux pas rouler dans l'herbe. Ok. Non, ça passe. Alors, ce qui est un peu bête, c'est qu'il... Ouais, non, j'oublie ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est un petit peu bête qu'ils te remettent pas à côté de moi, plutôt que de me remettre devant, mais comme j'ai beaucoup d'avance, c'est logique. Oh, ça sent le pour caramel, ouais, exactement. Pour ceux qui veulent savoir, vous tout le monde s'en fout. Ah, tu me donnes faim, du coup. Oh. C'est trop bien. Je m'amuse à la lever juste pour le plaisir, en fait. Regarde, je m'amuse à la lever maintenant. Ouah. Ouais, mais elle se lève toute seule, ça. C'est génial. Ah, franchement, là...
Alors on a un contour à moitié analogique, à moitié numérique. Avec, bon, vous pouvez voir là, il n'y a pas de il n'y a pas de, comment ça s'appelle, d'aiguille. C'est juste colorisé par rapport au régime. Et on a le kilomètre-heure. Et on a le bruit du vent aussi. Oh la vache. Oh putain, là je serais mort 10 fois. Par contre, je te propose de faire que sur un tour. Hein. Ceux qui font que c'est trop long, c'est trop long. Les deux tours. Ah, le mec il a faim, regardez-le. Il va finir sa propre vidéo. Non, non, si tu veux, on fait un tour et on regarde le replay. Oh, le mépris pour tes abonnés, quoi. Oh là là. Mon ventre. Sur votre place, j'aimerais pas. Mon deuxième cerveau a faim. C'est mon ventre. Non, mais ok, ça va. Ah, mais je rigole, je rigole. Wouah. Oh, mais elle s'lève toute seule en fait. Hein. J'ai même pas besoin de. J'ai même pas besoin la de le faire. Est très très bien. Alors on va l'écouter un peu, on va sortir la gueule pendant au moins. Allez, 30 secondes. Ouais, j'ai fait spray comme ça au moins. À vouloir faire le kéké là. Eh, c'est assez technique. Imagine cette course là, comme le permis de Gran Turismo 4 sur le Nürburgring, où il faut pas que tu sortes une seule fois de la piste. Oh, t'as pas le droit dans l'herbe et tout. Ouais, je pense que là c'est le mode ultime. Hein. Vous trouvez que le permis de Gran Turismo 4 est dur? Et c'est le mode de Tourist Trophy. Tu vois, moi je serais curieux de savoir déjà, est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça donnerait de jouer à ce jeu avec un violon? Alors j'ai déjà fait. Arrête, sérieux? Ouais, il y a un mode pour pouvoir jouer avec le volant. Hein. Un Tourist Trophy? Bah, en tout cas pour jouer à la PS2 avec le volant. Donc du coup, oui. Du coup tu peux jouer à Tourist Trophy avec. Ah bah ouais, j'avoue. Mais bon, c'était pas spécialement incroyable. Oh la vache! Ouf! Ah bah je me souviens, Zira, j'en sortais tout le temps quasiment en voiture. En effet, il y a deux types de personnes, celles qui connaissent l'utilisation des freins et les autres. J'adore freiner comme ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est stylé. Oh wow. Quelle belle synchro quoi. A chaque fois que je freine, maintenant je vais lever l'arrière, juste parce que je trouve ça trop classe. Franchement, j'ai regardé le film Biker Boys ce matin et du coup, c'est trop marrant, mais je trouve ça très stylé. T'es dans le mood. Je conseille ce film à tous les gens qui aiment la moto. Excellent film. Les courses de rue illégales de Qatar à Los Angeles. Il y a même Morpheus de Matrix dans le film. Ah ouais, je vois qui c'est. Ah, c'est Morpheus, quoi. Ouais, c'est Morpheus, le mec il est connu que pour ça quoi. D'ailleurs ça me fait rigoler, mais à mon boulot il y a quelques années de ça, il y a au moins 5 ans, il y avait un mec, il lui ressemblait, et le pire c'est qu'il portait les mêmes lunettes noires, il était grand, il portait la même, même veste. Et du coup, chaque fois qu'il rentrait, on disait putain c'est Matrix quoi. En plus, je travaille dans un bureau comme le mec de Matrix. Et le mec il disait jamais rien, quasiment toute la journée au boulot, il était ultra, bon, un peu pas timide, mais en tout cas il disait rien. Et du coup, ça renforçait le côté un peu pas mystérieux, quoi. Excellent. Du coup, tu as pas demandé s'ils vendaient des logiciels piratés? Non, je voulais juste demander s'il y a moyen d'aller dans un autre monde, quoi. Dans un autre... Ouais, lapin blanc au fond du gouffre. Voilà. Ah ouais, c'est parti, elle doit être sympa, là. J'ai cherché, je suis en train de penser, là. Ouais, ici. Yon. Bon, tu te plantes pas, évidemment. Voilà. Et tu vois, c'est peut-être ta chance de dire qu'on fait ça sur un tour, hein. T'es peut-être gagné. Ouais. Mais ne dis pas ça parce qu'après je vais perdre. Attention, tu vas gagner. Attention, tu vas gagner. Attention, tu vas gagner. Non, arrêtez. Ah, mais déjà, tu la joues beaucoup plus safe que moi tout à l'heure. Donc, C'est vrai que c'est le moto en fait. Hein. Ouais, mais parce que je trouve ça drôle en fait. C'est assez bon. Hein. Par contre, c'est vrai que tu parlais de volants tout à l'heure, mais est-ce que ça existe des volants de moto pour PC? Quand je dis des volants, c'est du coup des guidons. J'ai déjà posé la question, je ne crois pas. Parce que je sais pas si tu te souviens des jeux d'arcade où t'avais carrément la moto, tu montais dessus. Oui, et ça t'as détecté le mouvement. Mais ça, putain, qu'est-ce que je kifferais à voir ça. Ah ouais, mais moi aussi. Parce que VR, mon gars.
Mais surtout qu'en plus, c'est... les ventilateurs qui tournent devant et tout. Surtout qu'en plus, limite, c'est encore plus efficace qu'un... comment ça s'appelle, tu sais, les trucs pour les voitures, quoi. Enfin, les sièges avec les pistons et tout. Oui, bah oui, parce que tu peux te pencher et bah tout. Ouais. Et puis, il suffit d'un ventilateur pour faire du vent et voilà, quoi. Ouais. Et un casque VR, par contre, quoi, ça doit être génial de faire de ça avec un VR. Oh. Et moi je me souviens du jeu d'arcade Radical Bikers où tu devais livrer des pizzas à moto, à un scooter, et il y avait un guidon de scooter sur la bande d'arcade, c'était pas mal. J'ai pas connu celui-là, tu vois. T'as pas connu ça? Non, je connais que des motos, c'était, j'étais... C'était un jeu édité par Gaelco. Ah, Gaelco. Gaelco, ok. Gaelco. Gaelco, ça? Gaelco, ouais. Un truc japonais, ah, je crois. Le truc vert, là. Non, c'est espagnol, Gaelco. T'es espagnol? Ah, ouais, c'est espagnol. Souvent les jeux japonais, les trucs Gaelco. Non, non, c'est espagnol, Gaelco. Moi je crois que c'est Gaelco, mais bon, bah, à voir, hein, les ouais, jeux. Ouais, mais bon, je crois qu'il y a deux qui se ressemblent de nom en fait. Ouais, bah, c'est peut-être ça, ouais. Putain, mais je me fais que me viander, tu remontes, là, c'est pas bon. Ah, je me suis viandé 4 fois aussi. Hein. Allez, tout n'est pas perdu. Quand même, hein, pas mal. Pas de 320, quoi. Oh là, je sais pas quand je suis encore en vie. J'ai réussi à. J'avoue, t'es assuré, moi je suis tombé. Ah, t'as gagné, hein, toi, ton meilleur jeu. Bravo! Gagné. Ah, t'as gagné. Bon, on va finir sur le replay. Ouais. On va finir sur le replay. Bon, ça fait plaisir. On va faire quitter. Ça rattrape toutes les fois que j'ai perdu sur Gran Turismo. Eh bah, ouais, félicitations. Bon, bah, du coup, bah, Tourist Trophy en multi, bah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est assez jouissif. Un plaisir. J'ai oublié un bon petit plaisir entre amis. Moi, vous savez, quand des gens viennent chez moi et qu'on se fait un peu chier, des fois, bah, je sors Tourist Trophy sur la télé 4K en émulation. Je sors deux manettes et franchement, on s'amuse bien. Bon, bah, des bisous et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci Guillaume. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao.